Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Flipping Death. Vous voyez à l'écran, il est en anglais, mais en fait, dans les menus, on peut mettre en français avec sous-titres. Donc, on va voir comment ça se passe. C'est un platformer à énigmes. On va voir. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je ne me suis pas spoil, j'ai même pas vu d'image ni de vidéo ou quoi que ce soit. Mais ça m'avait l'air d'un jeu assez sympa avec une DA atypique. Vous voyez déjà un peu les décors, ils sont vraiment, c'est somptueux, mais c'est très particulier, et les personnages aussi. Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. Comment ça? New game, c'est parti. Penis Fall. Ok. Donc on incarne Penny de Wood. C'est dommage, c'est en anglais. Je peux rien y faire, les gars. J'ai mis le français dans les options. Hein. Ok, allons-y. J'espère que c'est en français la suite. Attendez. Ah mais voilà, mais pourquoi je l'ai fait dans le menu? Non, attendez. Mince. On va recommencer, mais on va essayer de le mettre en français. Désolé, hein. Ah voilà, volume sous-titre. Nouvelle partie. Oui. Allez, cette fois on l'a en français. La chute de Penny. Ok. Il va trop loin là, le narrateur. Vas-y, dis-nous tout. Ah, un élément perturbateur.
Alors, les graphismes sont vraiment bien. C'est tellement Halloween, les gars. Ah. Ok, on commence. Je peux sauter. D'accord. Il nous suit du coup? Ok. Ah, la vieille dame, elle est là. Mince. Ouah, c'est terrible. Quand elle tourne, on ne peut pas reprendre de la vitesse. Ok. Genre son mari, il veut être envoyé en enfer. Oh, c'est trop stylé. Je sais pas comment elle roule avec des roues comme ça, mais. Police. Ok. On va jusqu'où là? Bah, c'est un truc de. Waouh, quoi? Ok. Mais il fait nuit, il faut faire attention quand même. Elle a un humour, j'adore. Oh là. Ouh, mais elle est morte là. Elle s'est brisée la colonne, les gars, là. Contact avec la mort. Ok. Waouh. Je suis pas dans le déni, mais je suis dans votre déni. Ok. Ok, ça se passe pas trop mal. En vrai, ça se prend assez vite là en main. C'est assez permissif.
Elle est complètement dans le déni, du coup, ça veut dire, hein. Attends, c'est quoi ce qu'il y a derrière là? En jaune? Il y a une créature. Ouais, l'ambiance, elle est vraiment incroyable, les gars. Quoi? Je pouvais pas sauter plus haut? Ah, ils ont fait exprès qu'on tombe. Ok. Faut que je la suive, je suppose. D'accord. R et je fais quoi après? Je comprends pas. Je vise. Je tire et je me téléporte, d'accord. Faut appuyer deux fois en fait. Allez, ils vont venir à moi. Non? Maintenez Y. Il en faut 12, j'en ai 25, donc c'est bon. Ah oui, d'accord. Oh, incroyable. Waouh. Utilisez LB pour lire dans l'esprit. Prendre le contrôle. Ok. Ah, c'est assez atypique comme gameplay. Vraiment, j'accroche de fou, hein.
Ok. Par là? Faut les choper, hein, les fantômes, les gars. Bon, je vais pas en choper à l'infini. Appuie sur B pour afficher la carte. D'accord. On peut se téléporter directement au personnage. Ah oui, d'accord. Intéressant. Par contre, je ne sais pas où je dois aller, hein. T'as les personnages ont vraiment tous leur âme et tout, c'est trop cool. Ils ont une identité propre. Trouver comment traverser le lac, trouver la peinture bleue. Bah, on a le trouver. De nos personnages sont apparus sur la carte, vous pouvez les téléporter près des anciens et posséder des fantômes. Ouais, ça vaut pas trop le coup. Elle va m'attraper la main? Loupé. Il est en train de brûler vif. On va attendre. Enfin, il y a un monstre là, non? Il va où? Eh, l'univers, les gars, il est incroyable, hein. Je me demande s'il y a quelque chose à faire de plus, les gars. Faut vraiment l'aider à retrouver le blues ou...
Oula. Ah oui, il y a vraiment des trucs à faire, hein. Ouais. Défi hors de chez moi. Ok, bon. Laisse tomber. Ah, il y a tellement de choses à faire. Comment je fais pour la carte? Ah, c'est B, c'est ok. Waouh! Ah ouais, il y a un... Oh, tellement de persos, les gars. C'est quoi le point? Hors de chez moi, à poker. Attendez. Ainsi sonne le glas, en avant pour la fanfare. Mamie à tout prix. Trouver comment traverser le lac, trouver de la peinture bleue. Alors, la peinture bleue, j'ai trouvé. Et le lac, j'ai aussi. C'est le bateau, évidemment. Ne vous inquiétez pas, on va y aller, on va y aller. Ok, donc là il y a la peinture bleue. La fameuse peinture bleue. Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Je pense à ce qu'il faut faire. C'est où déjà? C'est là. Splendide. Ouvrez le pot de peinture. Donc faut que je trouve quelqu'un. Pas sûrement en haut. Ah d'accord, on peut... Ok. Peut-être lui. Ah d'accord, c'est pas les mêmes. Attendez, faut que je... Ouais, je peux pas l'avoir ici. Faut que je trouve en fait où est le pot de peinture du coup. Mais il est censé être vers la droite. Mais. Ah non, vers. Ah bah oui, vers la droite. Vu que ça inverse le sens. Le policier là que j'ai essayé de prendre, c'est ici. Il est là. Oula, son bras, il a full bugué.
C'est pas lui qui permet d'ouvrir. Peut-être dans la forêt. Ok, laisse tomber, c'est pas là. D'accord, donc il me faut. J'ai même plus le nom en tête. Une. Mais un, mince, un harpon, voilà. Donc faut que je trouve un harpon, mais qui pourrait avoir des harpons? Attendez, au niveau de la carte, on fait quoi là? Là, il y en a un en haut, il y en a deux en haut. Peut-être que y a la solution, elle est en haut, les gars. Non, mais ça fait pas la trajectoire qu'ils nous disent aussi. Lui, j'ai déjà parlé. Harpon, faut avoir l'œil et le bon. Hein. D'accord, elle, son action, c'est de manger des trucs. Je vois pas ça sert à quoi actuellement. C'est plutôt le dentiste en vrai qui m'intéresse. Avec son genre de truc là, il pourrait ouvrir. Alors, on sort et on va à droite. Lol. Parfait. Hop là, ouvert. Pendant ce temps-là, dans la forêt. Oula. Peigner le bateau en bleu, trouver comment. Ouais. Donc là, je le lâche. Ah, c'est deux que j'avais pas. Comment est-ce qu'on peut faire? Tiens, lui.
Il a l'air d'avoir un pinceau. Oula. Ah non, c'est une Bible, ok. Ouais. Alors, il y a une sucette. Je me dis que la petite, elle pourrait bouffer la sucette en vrai, hein. Lui, pour l'instant, je sais pas quoi faire avec. La vieille non plus. Ok. Il y en a un en bas que j'ai pas encore vu. On va voir. Ah oui, c'est d'accord. C'est le policier. D'ailleurs, ouais, là, il faut que je traverse l'eau, mais il faut que je trouve comment peindre. Peindre, peindre, peindre. Lui, ok. Il me faudrait un genre de pinceau pour peindre, non? Lui, avec sa glace, ça sert à rien, je pense. Je vois pas qui pourrait, les gars. Ok. D'accord. Il y a des interactions en vrai, hein. Je vais tenter la petite. Attendez, je vais d'abord faire lui. Et on va aller chercher la petite du dentiste pour aller bouffer la sucette de l'autre. Ok. Alors, retournons en haut. On va aller voir la petite fille. Faut que je redescende. Ah oui, par là, c'est parfait. Alors maintenant, faut que je trouve. Ok.
Ok. Il y a quoi là-dedans? Mince. Redescends, redescends. Je suis pas au bon endroit. Je veux juste la carte. Ok, donc c'est bien à droite. L'église, nickel. Je peux pas manger la... Quoi? Il s'est barré? Non, je peux pas manger ça. Ok. Laisse tomber. J'aurais tenté. Faut que je trouve comment prendre le gendarme, mais pour l'instant, je pense pas. Il faut aller à la forêt. Je vais aller voir le gars pour savoir ce qu'il faut. Ah bah, il est là. Ok, il faut quoi? Une barbe. Des poils. Une barbe, des poils. Est-ce que lui ferait l'affaire? Le bateau, il est où? Il est à droite. Ouais. On va tenter. Faut que je récupère la peinture de toute façon. Donc lui, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Attends, il m'a dit quoi? Il m'a dit des cheveux, de la barbe. Ok. Ok, une barbe, des poils de nez. Qui pourrait avoir ça? Des cheveux, ça le fait, non? Que là, j'ai aucun barbu, hein. Peut-être lui. Le plus embêtant, c'est quand même de d'emmener les gens jusque là-bas. Il l'a déjà fait. Ok, donc c'est pas lui. Qui ça peut être? Qui ça peut être? Mais lui, il a de la barbe, non? Et elle? Des cheveux, ça devrait le faire, non? Oula. Mais qu'est-ce que je viens de faire?
D'accord. Je savais même pas que c'était possible. Mais non, mais pourquoi ça me téléporte en haut? Ah. Ouais, elle va super vite. Non, c'est pas elle. Qui ça peut être? Le prêtre. Et son bonbon à lui, là. Ah oui, d'accord. Bon, eux, ils sont juste à côté. Ah, la langue, n'importe quoi. Let's go. La langue, Eh bah, fallait y penser, hein. On pouvait aller là? Ah bah il y en a des créatures. Ok, on va aller voir le manoir et on va. Je pense qu'on fera la pause ici. Alors ça, on s'accroche. Ah, j'en ai trouvé un, super. J'en ai deux, je crois, il m'en faut cinq pour le policier. Mince. Non, je vais pas le prendre maintenant, mais j'ai un bûcheron. Je voudrais aller jusqu'à Lille. Enfin, jusqu'à Lille, jusqu'au manoir, je veux dire. Il y a un mec avec un fusil en haut. Ok, je peux pas aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande s'il faudrait pas le musicien du coup. Et là, je suis allé jusqu'au bout. Ok. Bon les amis, on va faire la pause ici. C'est un beau petit jeu pour Halloween. Vraiment, il est super cool, il est super drôle. Je vous le conseille vraiment énormément.
Sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars, c'est important. Et à la prochaine. Salut!